Rebonjour les internautes et bienvenue encore sur la chaîne de Crystal. Ça fait la troisième vidéo que je vous tourne de la journée, mais c'est pas grave, j'aime bien. Je vais en tourner 3, 10, hein, parce qu'après j'avais pas beaucoup de temps de cette semaine, je vais en tourner, voilà. Puis des fois j'ai pas la motivation pour vous en tourner, donc je vous envoie comme ça. J'ai reçu un Amazon, j'ai reçu un Amazon, au revoir. Ah, donc j'espère que vous êtes tous très bien pour ça que nous sommes sur la chaîne de Crystal. Comme d'habitude, voilà. Donc là, je peux parler de tous les youtubeurs et youtubeuses que je regarde du moment. Donc, en ce moment, voilà, ça ne me plaît parler. Donc, le monde de Pewt, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, le monde de Pewt, attendez, si, je ne sais pas si je peux vous montrer. Non, donc attendez, je vais voir qu'est-ce que je peux vous présenter. Ah voilà. Donc ça que je voulais vous présenter. Voilà. Donc vous voyez sa chaîne. Je sais pas si on va. Voilà. Le monde de Pewt, c'est comme là, c'est petit canard. Voilà. Si vous cherchez. Donc c'est ça. Ça, je mettrai tout en barre d'infos. Ensuite, après, je regarde ensuite après le petit monde de Chachou. Donc Chachou, hop. Voilà. Ça se présente comme ça. Désolé pour le téléphone. Le monde de Sachou, ça se présente comme ça. Voilà. Ah oui, donc je vous ai pas dit tout ce qu'elle fait. Voilà. Donc le monde de Pewt, bah vous le savez parce que à chaque fois j'arrête pas de vous le dire. Pour certaines, il y en a des nouveaux comme le monde de Sachou, le petit monde de Sachou. Ça fait pas tellement si longtemps que ça que je la regarde celle-là. Mais le monde de Pewt, vous savez, vous connaissez. Elle fait des vlogs, elle fait le dimanche. Dans la semaine, elle fait des vidéos à Hall Action, à AliExpress et Shein et patati patata, voilà. Là. Donc, le monde, le petit monde de Chachou, donc c'est une petite dame, voilà, qui fait, donc, qui a une entreprise, voilà, pour confectionner des trucs en scrapbooking. Elle peut faire des noms en bois. Elle fait pas mal de choses. Voilà. Elle nous fait aussi des haul actions. Des haul stockomanie. Et puis bah voilà. Et elle nous montre aussi dans ses vlogs tout ce qu'elle fait dans la semaine. Pas tout le temps. C'est-à-dire soit elle va le faire sur une, deux, trois semaines. Et puis ou sinon elle fait bah, une semaine. Après une autre semaine après elle fait pas de vlog. Voilà. Ça dépend. Voilà. Donc elle fait des vlogs de semaine. Voilà. Ensuite. Nina Queen, vous connaissez très bien Nina Queen. Je vais vous la remontrer si vous ne la connaissez pas. Voilà. Elle a un univers à elle bien particulier. Voilà. Donc en ce moment, c'est Nina Queen toujours. Voilà. Nina Queen, c'est une fille qui, donc, qui va vous montrer sur cette chaîne-là parce qu'elle a une autre chaîne aussi. Donc je vais vous la montrer après. Voilà, ça commençait à dérailler. Attendez, on va remettre le téléphone. Voilà. Comme ça, voilà, merci. Donc, Nina Queen, donc c'est une fille qui présente des livres pour cette chaîne. Voilà. Après, elle a une autre chaîne un peu plus loin, mais je vous la remontrerai après. Voilà. Donc, elle peut faire des vlogs de semaine aussi pour nous dire qu'elle a reçu des colis, patati patata. Voilà. Elle nous présente aussi bah, des vlogs aussi où elle montre les livres. Puisque là, c'est sa chaîne de livres que je vous parle. Et des livres donc qu'elle a reçus, mais elle lit beaucoup de livres en anglais, elle lit beaucoup de livres en des paperbacks, surtout elle adore les paperbacks. Non, pas les paperbacks, les hardbacks, pardon. Les livres hardback, elle adore ça. C'est-à-dire avec la couverture en dur, des beaux dessins dessus, voilà, elle adore ça. Voilà, après. Donc, je regarde après. Quand elle fait des vlogs, parce qu'elle fait sous, elle fait des vlogs, elle fait pas, je crois je crois des, attendez. Souhaitez-vous recevoir? Désolée, ça c'est. Ouais, donc elle a fait que des vlogs. Et dans ses vlogs, vous verrez, elle fait des hauls actions, des hauls de, voilà. Et c'est sur cette chaîne-là que j'ai, que j'ai vu qu'elle avait les souligneurs Faber-Castell. Voilà.
Donc voilà, elle est géniale. Franchement, elle est géniale. Moi, j'aime bien son petit univers. Son petit univers. Ah! Gamy 13, mon chouchou de la chouchou du moment. Je vais vous montrer Gamy 13. Pourquoi elle m'a fait ça? Voilà. Donc Gamy 13, c'est un univers de malade. Il fait des francs, il fait des trucs de folie, il fait des. Voilà. En ce moment, il se bat pour une belle cause. Voilà. Donc je vous montre Gamy 13. Bon, c'est pas un enfant, attention, c'est un adulte. Hein. Ce que je vous parle. Voilà. Ensuite. Donc Gamy 13, il nous fait des francs, il nous parle de la vie de tous les jours, il nous fait des trucs de malade. Voilà. Bref, il a beaucoup d'abonnés. Après, Picketing Boutique. Donc vous connaissez toujours, hein, ça n'a pas changé. Je recommence parce que je sais pas pourquoi ça coupe à chaque fois. Donc Picketing Boutique, s'il veut bien faire. Voilà. Donc c'est ça. Elle, c'est tout sur les livres. Sur les livres et sur certaines commandes. Commande Harry Potter, pardon, qu'elle va nous montrer ses certains produits dérivés qu'elle achète. Harry Potter ou des petites choses comme ça, voilà. Bref, elle sait que les livres qu'elle nous montre. Donc, elle nous parle des livres qu'elle a en partenariat avec eux. D'autres livres aussi qu'elle a acheté elle-même aussi. Et puis, voilà quoi. Après, après, il y a. Donc vous avez Mini Pouce Aventure. Malheureusement, Mini Pouce Aventure, elle retourne à l'hôpital. Enfin, c'est pas vraiment un hôpital, c'est voilà, un centre. Parce que bah elle est dépressionne. Voilà, donc elle nous parle aussi de livres aussi. Voilà, de livres aussi. Elle a ouvert une boutique, mais bon, je sais pas, pour faire des marque-pages. Mais après, je ne sais pas sur Etsy. Ça, si vous connaissez Etsy, voilà. Après, vous avez encore. T-Rex Family. Donc, eux, ils nous montrent un peu de tout, voilà. T-Rex Family, c'est une famille où il y a Lady David et son fils et sa fille. Non, sa fille, c'est la Rose Noire. Donc, elle a ouvert une chaîne, ça s'appelle la Rose Noire. Si vous cherchez. Voilà. Donc, après. Justine, ah non. Il y a cette chaîne-là aussi que je regarde aussi. Et voilà. C'est une fille qui est atteinte de maladie. Voilà, je ne sais plus comment se trouve, elle s'appelle sa maladie. Voilà. Donc elle va nous parler de sa maladie et qu'elle recherche pour savoir quelle était la cause de sa maladie. Voilà. Parce qu'elle pense qu'elle a une bactérie ou je sais pas quoi. C'est ça, le dernier truc. Voilà. Ensuite, Justine Family. Voilà, parce que j'aime bien Justine Family. Hop, on retourne, on vous montre Justine Family. Justine Family, c'est une nourrice agréée, donc qui travaille chez elle. Voilà, et donc elle nous montre, enfin, elle nous montre pas sa vie de nourrice en fait, parce qu'elle a pas droit. Montrer des bébés, des enfants, machin, voilà. Mais elle nous montre sa vie à elle, voilà. Donc là, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a acheté deux maisons, alors qu'elle en avait déjà une à elle. Je ne sais pas pourquoi faire, bref, voilà. Ensuite, après. Donc, il y a cette chaîne-là aussi. Donc, vous avez celle-là aussi. Hop, s'il veut bien faire focus. Voilà. Donc, elle, c'est. Ça ne peut pas trouver le nom. Les mandalas. Elle est fan de mandalas. Et elle a une boutique où elle fait des stickers en mandala. Donc, vous pouvez avoir Disney. Mais quand vous allez voir l'intérieur de la personnage Disney, c'est du mandala. C'est que fait du mandala. Elle adore ça. Elle nous fait archi plein de trucs. Elle a une un magasin sur Etsy, voilà. Après, il y a quoi d'autre encore? Il y a quoi d'autre encore que je pourrais vous montrer encore, que je regarde encore? Kim of Verté, je ne vous montre pas, mais bon, je la regarde de temps en temps parce qu'elle fait moins
Une vidéo, voilà. Et là, on va passer à la chaîne de Nina Queen. Donc, tard, je vais parler de Nina Queen, livre. Donc, elle fait des livres. Là, c'est du scrap color. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà le nom de sa chaîne. Donc, c'est que du coloriage ou du matériel de colo ou scrap. Du matériel de scrap. Voilà, qu'elle peut avoir sur Amazon ou sur Action, voilà. Ensuite, après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Après, il n'y a pas tellement... parce que je regarde pas... Ah oui, Ramos. Mon très cher ami Ramos. Je dis mon très cher ami Ramos parce que c'est une personne que... qui va parler, qui va dire la vérité. Donc, je vous le montre si vous ne connaissez pas. Voilà. Donc Ramos, il se présente comme ça, Ramos. Ramos, c'est lui. Donc c'est une personne qui aime bien dire la vérité sur des choses bah, comme le Covid-19, tout ce que les médias ne disent pas ou et sur n'importe quel sujet. Voilà. Et je le kiffe trop. Voilà. Après. Ah, attendez, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. Je suis en train de le chercher là. Donc voilà. C'est Nikos et je sais plus. Là, ils viennent de se marier. Enfin, pas de se marier, de se fiancer, pardon. Ah, je sais plus du tout, du tout, du tout où c'est. Je cherche bien profondément. Ah, donc ça, j'ai trouvé. Nico Capo. Nico Capone. Voilà. Et là, ils sont partis. J'en ai pleuré même pour vous dire. D'accord, ok. Pourquoi ça m'a fait ça? Je ne sais pas. Voilà. On va mettre ça. Voilà. Donc, c'est un mec et une femme. Donc, voilà. Donc, c'est ça. C'est bientôt sa future femme. Ils ont un enfant ensemble maintenant. Voilà. Et ils sont partis il n'y a pas si longtemps que ça à Dubaï. Il a demandé sa main à Dubaï. Et là, j'étais là. Mais pourquoi pas? Pourquoi moi, on m'a jamais fait un truc pareil? Ah, c'était trop beau. C'était trop beau. C'était dans le désert. Il a demandé sa main dans le désert. Mais c'était magnifique, 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 magnifique. Trop, trop, trop beau. Je vous le jure, les amis. J'ai pas connu un grand amour. Voilà. J'ai connu un mec qui m'aimait vraiment, sincèrement, et qui aurait fait pareil. Bah, j'aurais été trop contente, mais bon. C'est la vie, c'est le destin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est comme ça. Voilà. Donc, je vais montrer à peu près tous les youtubeurs et youtubeuses que je regarde en ce moment. Voilà. Donc, je voulais faire juste une petite vidéo pour vous dire ça. Sur ce, je vais vous laisser. Voilà. Je sais pas s'il y aura d'autres vidéos dans la semaine, peut-être, ou l'action à la fin de semaine, peut-être, je ne sais pas encore, c'est vraiment sûr si je vais y aller, parce que j'ai tellement de rendez-vous en ce moment. Demain, oui, demain, j'ai un rendez-vous hyper important. Mardi, je crois que j'ai encore un deuxième rendez-vous important, je ne sais pas si je vais en avoir d'autres encore après ou pas, mais j'aimerais bien, voilà. J'en ai un aussi, 17. Voilà. Et puis, bah, à part ça, j'ai pas trop de rendez-vous. Hein. Bah, on va voir, faire à mesure que, voilà, on va faire à mesure que le mois va passer, on verra bien. Écoutez. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis, prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Cristal.